Et salut à tous, on se retrouve sur la chaîne pour la suite des aventures du Let's Play consacré à The Last of Us. Alors, dans la précédente vidéo, on avait eu Tess qui s'était sacrifié pour nous permettre de nous enfuir. Et du coup, on est sorti de la ville. Qu'est-ce que tu me fais là? Non. On va juste aller jeter un œil là. Par là. Regarde. De toute façon, ça doit être par là. Qu'est-ce que tu dis de ça? Ah, cool, ça c'est bien. C'est parti. Mon kiki. Ah ouais, d'accord, ok, je peux créer des trucs améliorés à partir du moment où j'ai un bâton ou un truc comme ça. Pas grand-chose à ramasser pour l'instant. Par ici. Regarde où tu vas, la chute est raide. J'entends des bruits. Ah, je me disais. Oh putain, merde. Non. Ok. Ah, merci, c'est ça que je voulais faire. C'est adorable. Allez, dégage. Merci, il y a sûrement des choses à récupérer. Y'a que ça dans un garage? Oh là là, quelle bande de raccrocs. Rien à ramasser. Ah, parfait. Ça, c'est tu cool. Sens bien? Ah, des balles. Tu ne sais pas siffler. J'ai l'air de savoir siffler. Ah, je vais y laisser les deux balles. Ah, il y a un dossier là, tiens. Lire. Récupérer plus de pilules. Si je peux voir grappiller quelques balles de plus, je n'ai que 3 semaines avant la prochaine livraison à Tess. D'accord.
Allez, des pilules. Par ici. Pas mal ça aussi pour s'en débarrasser. Je me disais, il devait y avoir bien un truc là, non? Comment on passe là? Oh merde, c'est bloqué de l'autre côté. Allez, fais-moi monter. Non, c'est pas une bonne idée. Je peux pas te faire la courte échelle. Comment tu veux ouvrir sinon? Ah ouais, logique. Ok. Donne ton pied. Contente-toi d'ouvrir. Rien de plus. Ça marche. Attention. Ok. Voyons. Ok. Tadam. Bien joué. Merci. Bon, disons que ton pote nous file une voiture. Et après? Eh ben, après on ira retrouver Tommy. Marlène dit que c'est ton frère? Surtout, il faisait partie des Lucioles. Il saura nous dire où tomber. Ah, cool! Ah, 30 stimulants. Il vit loin d'ici, c'est pour ça qu'il nous faut une voiture. Ok. Bon, ça, limite, ça m'intéresse hey, plus. Ouais. Regarde! Des nains! Ouais, c'est des nains. J'avais un bouquin avec plein de nains en dessin. Je les ai toujours trouvés trop mignons. Par contre, j'aime pas les fées. Elles me filent les jetons. Ouais, d'accord. C'est toujours agréable avec elle au début. Le fait d'avoir rien oublié, le camion ne peut pas entrer dedans. Le flic là, rien à récupérer. Il y a un bâtiment, on va y jeter un œil. Et là, rien de plus. T'as déjà joué à ça? Non. Mais je connaissais quelqu'un qui était fan de ce jeu.
Je prends tout, hein. Si on essaie d'améliorer un peu des armes au prochain atelier, preneur, hein. Ouais, c'est Bill qui a bricolé ça. Quelqu'un d'autre vit ici à part lui? D'après ce que je sais, il est seul. D'accord, ok. Oula! Non, Dieu! Wouah! Attends, mais qu'est-ce que c'était ça? Ça, c'était. Des pièges de Bill. Des pièges tendus par Bill. Il est pas un peu parano, ton pote? Ah, t'imagines pas à quel point. Qui c'est ce type au juste? En fait, il nous a aidés à introduire des trucs en ville, disant qu'il est capable de trouver n'importe quoi. Eh ben, espérons qu'on finira pas en miettes en cherchant. Regarde bien où tu marches et ça ira. Donc là, on peut pas rentrer. Cette année infectée sont bien trop près de l'abri de l'église, j'ai l'impression que je dois faire un nouveau tour de périmètre pour repérer les failles. Bob, je ne quitterai pas la ville sans ce coffre, aide Brad à le charger dans le pick-up. Et au cas où il faudrait l'ouvrir, la combinaison est 5-17-21. Il est où du coup le... 5-17-21. Tu vois ce fil barbelé? Reste en dessous, ok? Garde la tête baissée, tout ira bien. Ça marche. Mais il est où le coffre? Ouais, il me parle d'un pick-up avec un coffre 5-17-21. Ah! Il est là! Cool! Cinq. 17. 21. Oh, beau! Magnifique. Tout ce qui me plaît. Allez, go. On va pouvoir continuer notre route. Alors, là, c'est là où il y avait le... Le claqueur qui a pété. Il faut faire attention donc au fil. Ah! Bill s'est tiré à là. Faut croire que oui. Ah, il s'est tout fait, Bill. Tiens, viens là. On peut se servir de ça pour passer.
Ok. T'es bien caché l'arc, hein? T'es de Regarde, quoi le rater à tout moment. je suis assez doué pour le tir à l'arc. Je Bon. préfère m'occuper de ce genre de Ouais, choses. mais non. Si chacun avait une arme, on Qu'est-ce qu'il me pourrait se couvrir fait? l'un l'autre. Je préfère pas. Dommage, il fait pas confiance un peu. Alors. La voie est libre, monte. J'arrive. Tu me fais calme-toi. Allez, est-ce qu'on a des flèches? Est-ce qu'on a des trucs? Non. Il faudrait que je prenne de l'élan et que je saute en face. Ah merde. Tiens, d'accord, ok. C'est vrai qu'ils sont pas capables de sauter, j'avais oublié. Ta gueule. Alors, j'ai défoncé. Bon, écoute. Ah, c'est bien ça, je peux récupérer mes flèches Le genre et en d'arme, même c'est n'importe temps, quoi. je récupère Alors, deux une balles fois de là-bas, fusil. laisse-moi lui parler. Compris? Allez, parfait. Compris. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est qu'il a un peu de mal avec les étrangers. D'accord. Bill est un type bien, mais... Il est spécial, ouais. Il lui faut un peu de temps pour s'habituer aux gens, c'est tout. Oh merde! Putain! Je marchais serein, je me suis fait défoncer. Tu vois ce fil barbelé? Reste en dessous, ok? Garde la tête baissée, tout ira bien. Ça marche. T'as entendu? Ouais. Merde, tu vas y aller? Je veux voir ce qu'on peut trouver. Tu trouveras mon cadavre quand je serai morte d'une crise cardiaque. T'inquiète pas. Je m'en occupe. Oh merde! La Bon. trouille de ma vie. Mais il aura pas fait long feu non plus. Pendant qu'on est là, on devrait fouiller cet endroit. Bah, il y a plein de choses à récupérer. Allez, des pilules. C'est tout ce qu'il y avait? Ah non, il y a une autre pièce. Il y aura des trucs à récupérer là. Pas des choses un peu à construire. Deux. Ok, on va faire une seringue. On aura toujours besoin. Non, tu peux juste te trimballer avec ça pour l'instant. Alors. Tac, 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 tac. Eh ben, on est bon. On peut redescendre. Viens, si je suis encore ici. Oh, ça va. C'est juste un zombie. C'est juste un infecté. Pas non plus, en faire tout un drame, hein. Merde, c'est pas où là. Alors, passer par où là? Ah ben par là.
Ouais, mais... sont plutôt cool. Chacun ses méthodes. Bordel. Fais attention où tu marches. Il chante avec ses pièges, yo. Allez. T'éloigne pas. Ah, oh, 8 balles. Punaise, sont généreux les mecs. Hein. Des fois on se plaît, mais... Oh non, 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 non. Horrible, cette zone. Je te tiens. Putain, Bill. Qu'est-ce qui s'est passé? Devine. C'est encore un des pièges à la con de Bill. Là, le frigo. J'ai l'impression qu'il fait contrepoids. Ok. Coupe la corde pour me faire descendre. Ça marche. Je me disais mais je voyais personne qui arrivait. Merde, ils sont là. Ah! Et lâche-moi! Dégage. Oh, je tire mieux! Je tire mieux à l'envers qu'à l'endroit! Merde, par contre, ça. Ouf! Quand tu veux, Ellie. De toute façon, l'avantage c'est que c'était balles limitées donc. Oh, je suis une tireur un peu, non? Eh ben, il était temps! Mec, il est là, il prend le temps de... Il est là, il prend le temps de se relever, il prend le temps de... Ah, j'ai mal au dos! Ah! Ah, ça y est! Billy! Ah merde! J'ai trompé la touche. Je me suis fait grignoter. Ouais, oh, mais je crois qu'il n'y a même pas besoin de se battre. Hein, donc, faut juste courir. Punaise. Tiens, t'as pas intérêt de te faire charger par deux ou trois mecs, hein, parce que sinon tu te fais défoncer la gueule. Quelle direction? Cours, Ellie. Je me dépêche. Les gars derrière nous. Mike Bill.
Allez, dégage. Ne traînez pas, on n'est pas en sécurité. Mais ils arrivent par la porte. On n'a pas d'autre chemin. Allez, reste en arrière, n'avance pas. Non. Tiens, chaque fois je me trompe toujours de touche. Je voulais recharger. Oh là, calme-toi mon ami, calme-toi. Quoi? Je suis en train de vouloir aller l'aider. Et ça descend vite la vie, quand même récupérer les balles et tout, ça me ferait chier de laisser les vies, les trucs, les bordels. Jouer les héros. Ellie. Qu'est-ce que... Joël! Bill! Qu'est-ce que vous faites? Bill! Tourne-toi et mets-toi à genoux! Attends, calme-toi un peu. Tourne-toi et mets-toi à genoux! Fais pas le malin! Ok, t'énerve pas. Des faits morts? Non. Des excroissances? Non, putain, j'ai rien. Si je vois le moindre tremblement... Arrête, sale petite garce! T'as fini? Si j'ai fini? Vous débarquez chez moi? Vous déclenchez mes pièges? Elle manque de me péter le bras avec lequel je tire? Et c'est qui cette petite pastille? Qu'est-ce qu'elle fout ici? Ce que je fous ici vous regarde pas. On est là parce que vous avez des dettes envers lui. Commencez par m'enlever ces menottes! J'ai des dettes envers Joël. Non mais tu plaisantes. Je vais aller droit au but. Il me faut une caisse. Eh ben super la blague. Joël veut une caisse. Si j'en avais une qui marche, qui est loin d'être le cas, qu'est-ce qui te fait croire que je te la filerais? Hein? Bah oui, bien sûr, te gêne pas, prends ma caisse. Prends ma bouffe aussi pendant que tu y es. D'après ce que je vois, vous avez un peu trop de bouffe. Écoute-moi, sale petite conne. Non, je vous emmerde, vous m'avez attaché. Je veux que tu fermes ta gueule. Ok. Je sais pas à quelle dette tu penses, mais elles valent pas autant. Alors là, Bill, détrompe-toi. De toute façon, j'ai pas de voiture qui marche. Mais il y en a une dans cette ville. Des pièces. Dans cette ville, il y a des pièces. Ça veut dire que tu peux m'en réparer une. D'accord. Et pour faire ça, je vais avoir besoin de matériel. Ok. Il est de l'autre côté de la ville. Tu vas m'aider à le récupérer. Et peut-être que je pourrais t'assembler un truc convenable. Mais après ça, on sera quitte. Ça me va. Dans quelques jours, on sera sûrement mort de toute façon. Bien. Suivez-moi. Toute cette ville est bourrée de pièges. Alors collez-moi au cul. On peut pas le louper. Ferme-la.
conseille d'emporter tout ce qui vous paraît utile, tout de suite. Je te remercie. Ellie, regarde s'il y a des trucs utiles dans le coin. Ça marche. Faut que je pense à virer les infectés des barrières, c'est la troisième fois ce mois-ci qu'ils se tassent contre cette saloperie et finissent par la faire tomber. Ok. C'est vraiment pas un marrant, ton pote. Garde tes distances. Et récupère le plan. C'est con ça. Oh là, tu passes pas par-dessus le comptoir. Eh, tu sais y jouer? Ouais, plutôt mal, mais ouais. J'ai toujours voulu apprendre. Hey, Bobby Fischer, pas tous à l'échiquier, compris? Bobby qui? Rien, laisse tomber. Ah, c'est les manuels de combat, ça. Longévité accrue des lames, aiguisage. Aiguiser une lame réduit la force nécessaire pour couper ou perforer, augmente par conséquent la durée de vie de cette dernière. Et suraméliorée, là. Bon, on y va ou on se regarde? T'as tout ce qu'il te faut? C'est bon. Alors, on va soigner un peu. On profite. Bien, on y va. Fermez bien la porte, surtout. Je m'en occupe. Il faut qu'on atteigne l'autre bâtiment. On monte. Allez! Surtout, ne t'éloigne pas. Mais dans quoi tu t'es encore fourré, Bill? Toi, tu les laissais se débrouiller tout seul là-bas. J'ai pas assez d'alcool. Je rigolais pas en parlant de lui. Je vais aller jeter un coup d'œil. J'ai besoin de rien là-dedans. Vas-y, prends ce que t'as envie. J'ai vu un groupe de chasseurs s'approcher dangereusement de la ville. Heureusement, une meute d'infectés les a chassés. Ok. On récupère. Ah, il va y avoir peut-être un truc là, non, quelque part? Non, rien. Alors dans quel pétrin tu t'es fourré? Et où est passé Tess? C'est juste un boulot, une livraison. C'est quoi le colis? C'est gamine? Je vous emmerde. J'espère que tu sais ce que tu fais, au moins. Non mais c'est quoi ce type? Alors, on va où, Bill? Il faut un gendarmerie. Attendez, je croyais qu'on réparait une voiture. Oh! Tu sais réparer une... Bill, laisse-la. Je te l'ai dit, j'ai besoin d'un truc qui est à l'opposé de la ville. Y'a pas un atelier un peu, à quelque part? Plus d'armes. Chut, y'en a un. Elle est occupée. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a de l'eau dans le gaz. Ouais, un truc comme ça. Ah, faut dire qu'elle est morte, hein. Ça va être compliqué, hein.
démarrait pas l'une de ces voitures. Ma parole, t'es un petit génie, toi. Dire que pendant tout ce temps, j'ai jamais eu l'idée d'en réparer une. Ok, arrêtez vos conneries. Les pros sont... Euro.com. Ah, yeah. Bon, qui a des choses à récupérer ou pas? Bon, faudra que tu vérifies les barricades. Voilà ce qui arrive quand on fait pas gaffe aux petits détails. Tu sais ce qui t'attend? Faudra récupérer le matos dans l'entrepôt, ouais, et l'emmener jusqu'à la barrière, encore. Ça va te prendre. Bill? Joël? Par là. Allez, on monte. Ah, t'aurais pu choisir, ça c'est bien. Endroit où crécher. Tu sais, ces trucs sont horribles, mais au moins ils sont prévisibles. C'est normal qu'ils me foutent les jetons. T'es bien placé pour comprendre ça. Qu'est-ce que tu veux dire? Rien. Tu crois que cette porte va les retenir? Ils n'ont pas la clé, voici. Bon, c'est par où? On y est. C'est au sous-sol. C'est quoi? C'est une église, ça, non? Allez, je descends. Bon, nous y voilà. Et toi, tu touches à rien. Tu peux fermer la porte? Il faut s'équiper. Non, non. Quoi? J'ai besoin d'une arme. Non, je crois pas. Joël, je peux me défendre toute seule. Non. Écoute, reste là. Ok, j'ai qu'à me tourner les pouces en attendant de me faire tuer. Alors là, c'est de loin le boulot le plus merdique que t'aies jamais accepté. Il est pas mal. Me dis pas que Tess est d'accord avec cette mission suicide. En fait, c'est son idée. Je peux pas avoir ça, moi, comme arme? On sait que cette gonzesse était plus maligne que ça. Enfin, on s'en fout. Sérieusement, tu dois ramener cette gamine où tu l'as trouvée. Bill, je peux pas la ramener comme ça. Alors dis-lui de se casser et de se démerder. Je vais te raconter une histoire. Il y a très longtemps, je me suis pas mal attaché à quelqu'un. C'était un partenaire. Quelqu'un que je devais protéger. Dans ce monde, ce genre de conneries n'apporte qu'une chose. Se faire buter. Alors tu sais ce que j'ai fait? J'ai bien réfléchi. Et j'ai décidé de rester tout seul. Bill, c'est pas ça, c'est... Mon cul. C'est exactement comme ça. Hé! Hey! Qu'est-ce que je t'ai dit en descendant les marches? Je t'ai dit quoi? Je range juste votre pile à la con. Tu touches à rien. Eh merde. Continue à jouer les babysitters et tout ça va finir par te péter Bill, à la gueule. Est-ce qu'on peut juste en finir avec ça? Tiens. On va en finir avec ça. Eh ben voilà. Une vraie arme au moins. Un fusil à pompe. Bon, avant qu'on aille plus loin, j'ai un truc à te montrer. Qu'est-ce que c'est? J'ai un nouveau joujou. Oh, beau. Un groupe de coureurs a déclenché la plupart des bombes. Il va falloir faire un autre passage et ne pas oublier de noter les emplacements des bombes sur la carte. C'est mieux. C'est préférable, ouais. C'est jusque-là. Ah, des pilules. Parfait. Alcool. Oh, un surint, hein. Pas mal. Ça me ferait une économie de matériaux, au moins.
Et là, c'est clôturé. Qu'est-ce qu'il voulait me montrer, lui? Ah, c'est pas les bombes à clous, ça? Si, une bombe à clous. Ah, si, c'est ça. Fais attention avec ça. En explosant, ça déchiquette tous ceux qui sont dans le coin. Ça, c'est bien, ça, les bombes à clous, ça. Contre certains ennemis, c'est bien, les bombes à clous. On a des fusils et des bombes. On est censé en faire quoi, au juste? De temps en temps, faire il y a des carnages. Qui traverse la ville. Je suppose qu'ils cherchent des provisions. Oh, qu'est-ce que c'est, ça? Si vous pouviez voir tous les trucs qu'ils repèrent pas. Les outils permettent à Joël d'accéder à plus d'améliorations d'armes sur les établis. D'accord. Attaqué par une horde d'infectés. Le camion a été pris d'assaut et il a fini par se cracher dans le lycée. Il y a encore avec une batterie. On récupère la batterie et on la met dans l'autre voiture. Bingo. Je voulais la prendre, mais ça m'a semblé risqué avec tous les infectés qui traînent par là. Mais on s'en ah ben voilà, Joël enfin. Veut une caisse. Et un établi. Non, ces camions sont de vrais tanks. Je suis sûr qu'elle est intacte. Ça pourrait marcher. Alors. Ah, ça il le faut, ça, ouais. Étude d'armes secondaires, ça c'est bien, ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut améliorer? Et ouais, du coup, je suis plus assez. Ah, c'est pas grave. On va améliorer ça. Alors, vitesse de rechargement ou cadence de tir. Bah, déjà, on va améliorer ça. Bon, je pense qu'on va pas pouvoir améliorer grand-chose de plus. Ça tiendra. Ouais, normalement je peux switcher directement entre les armes, comme ça, clac clac, ouais. Ça c'est cool, ça. Ça c'est le mieux, ça, en réalité, pour changer d'arme. En plein combat, quand tu es en galère, c'était vite de devoir poser le sac, changer d'arme, changer de machin, après c'est trop galère. Ça. Voilà, ben du coup, je pense qu'on va arrêter là, donc, pour cette vidéo. On a quand même pas mal avancé, on a fait la rencontre de Bill. On a récupéré l'arc, le fusil, la bombe à clous, on a amélioré son arsenal. On a fait pas mal de choses au sein d'une seule vidéo. Donc voilà, du coup, on va s'arrêter là. Si vous avez aimé la vidéo, ben comme d'habitude, likez, abonnez-vous. Et on se retrouve donc sur la chaîne pour la suite des aventures de The Last of Us. Ciao, ciao!